tous des compétiteurs et c'est sûr que prendre une claque comme ça, ça fait du mal au bide, hein, j'ai envie de dire. Qui plus est contre Toulouse, donc on avait à cœur de faire notre match, on avait à cœur de montrer notre visage et voilà, malheureusement le score est très lourd au final. Donc ce qui est bien dans notre sport, c'est que on a la chance de jouer la semaine d'après. Donc voilà. Dès hier, on a soldé le match et on a essayé de vite basculer sur le match de samedi qui est très important pour nous. C'est pas notre valeur le match du week-end dernier, c'est tout. Même si on a affronté une très belle équipe, je répète, il n'y a rien à dire là-dessus, mais voilà, on peut faire mieux et on doit faire mieux, notamment, je répète, par rapport à notre public. Ça, parce que ça, c'est des. Quand on parle de valeur, ça, c'est des choses, peut-être qu'ailleurs, ça n'existe pas. Dans des endroits, c'est peut-être pas important, mais à nos yeux, en tout cas ici, c'est important. Voilà, on leur doit une revanche. Voilà, et je sais que si on fait une grosse performance samedi, ils seront vraiment derrière nous et qu'ils nous pousseront comme ils ont pu nous pousser à Toulouse malgré un score à la faveur des Toulousains. Ouais. On sait à quoi s'attendre. C'est une équipe, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui est pleine de valeurs, une équipe qui est pleine de guerriers. Voilà, l'image de leur capitaine, là, Saïd, voilà, que je croise depuis de nombreuses années sur le terrain. C'est un mec. Bah, qui à l'image, enfin son équipe lui ressemble, quoi. C'est-à-dire combattante, lâche rien, elle est là, elle est présente, elle a peut-être pas les plus gros moyens du top 14, mais par contre, elle montre qu'il faut compter sur elle, qu'elle est présente. On sait à quoi s'attendre, hein. Voilà, à un moment donné, si on ne met pas la base contre eux, c'est compliqué.